Ouais, biker. Alors ça, vous avez certainement dû voir dans des vidéos sur Dubaï. On a la voiture bateau en fait. C'est 48 000 dollars. Non, 38 000 dollars, pardon. Et là, on a le jet ski bateau. Jet ski et bateau, on est à 16 000 dollars. Ok. Hi Bruce, how are you? So? I'm good. Good. On a le buggy enfant. Bon les amis, ouais. Là c'est le motorisé, tu as déjà fait un conteneur, tu as fait plusieurs conteneurs mais tu as fait un conteneur de motorisé, tu as rencontré Lily aussi, ça fait quoi alors de rencontrer l'usine avec qui tu travailles? C'est toujours mieux de rencontrer la personne en physique et pouvoir échanger et aussi... T'es content de découvrir qui elle est physiquement? Bien sûr. Tu la trouves sympa? Très sympa. Ouais. Et là justement, Wahid a réussi à négocier sur la prochaine commande d'inclure les gants enfants dans le quad. Voilà, c'est toujours quelque chose en plus qui vient améliorer le business quoi. Bien Wahid. Ça les amis, c'est X-Moto, c'est un fabricant avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années. À l'origine, c'est le frère de l'usine Apollo Chanel qu'on a vu juste avant dans la vidéo, d'accord? Accro au jeu, il a perdu son entreprise au casino. C'est plus maintenant le dirigeant de l'entreprise, il a perdu ça, il a donné les clés de l'entreprise au casino. Voilà, le jeu, c'est aussi une drogue, surtout dans le milieu asiatique. Voilà, on a un bel exemple, tu peux avoir un succès et tout perdre à cause d'une connerie, quoi. Il y a des marges, il y a des belles marges dans le numéro. Sortir là maintenant, mais... Non, il y a peut-être un an et demi, deux ans. Ah oui, donc ça ne vient pas de sortir. Mais... Moral, j'allais signer un contrat. Ah mais c'est sympa. Va te mettre de la musique. Très bien. Peut-être que tu pourras annoncer. Quoi. Va te mettre les BTS, tu peux. Farès, ça te fait quoi 16 ans d'être à la foire de Canton? En vrai, c'est pas mal. Bon ok, ça c'est le discours d'un enfant qui veut faire du dropshipping. Tu préfères du dropshipping ou de l'Abor Expo? L'Abor Expo. Oh, mais après il y a d'autres... Voilà les amis, la première journée, la day one de la Canton Fair. On a eu la matinée qui a servi à s'enregistrer bien entendu, mais ça passait très vite, très très vite. Des beaux produits, on a ajouté ça au sourcing, notamment des luminaires, etc. Mais voilà, on a vu 3% de la Canton Fair.
Mourad, ta première journée alors? Ah, c'est magnifique. J'en ai mal aux pieds. Ah, ça, c'est ce qu'on dit toujours. Se mettre en tenue confortable. Voilà, la première fois que tu fais la foire de Canton, tu veux t'habiller beau gosse, etc. Tu mets tes chaussures de ville. Mais après, avec l'expérience, tu mets tes baskets, tu vois. Ça s'est bien passé ta première journée? Ouais, impeccable. Ok, 6 mois à mettre ta première journée. Ressenti assez mouvementé, mais très intéressant. T'as seulement ton premier café de la café journée. J'ai manqué la journée en fait, c'est pour ça. Demain, on te prend un café. Demain, c'est bon. Demain matin, première chose, on passe au café. Un petit café. Avec plaisir. T'as eu des produits qui te t'ont fait. Ouais. Donner des idées, ouais. Des produits qui m'intéressent, des produits très intéressants. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, il y a un large choix dans les produits. Il faudra venir au moins 2-3 fois pour bien repérer le produit. Tu t'attendais à quelque chose avec autant de monde ou pas? Non, pas autant de monde. Pas comme ça. Pas comme ça. Surtout que c'est la reprise après le Covid. Surtout que c'est la reprise après le Covid, je ne m'attendais pas à tout le monde, c'est vraiment impressionnant le monde qu'il y a là. Alors là, on part, on va prendre les taxis, on va direction restaurant turc, et on va en profiter également pour casser le jeûne pour ceux qui font le ramadan, qui participent au stage. On va aller manger et puis repos parce que demain c'est une grosse journée. Vraiment une grosse journée qui s'annonce. Donc voilà les amis. Les amis, je vais pas faire un feedback tout de suite parce que le mindset il va être négatif. Mais Mehdi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est la pire organisation. Ah, franchement, zéro. Franchement, cette année, catastrophique l'organisation de la foire de Canton. C'est catastrophique. Aussi bien pour rentrer que pour sortir. Du jamais. Fucking shit. Les amis, nous sommes chez un fabricant de matériel de musculation avec qui je travaille déjà depuis plusieurs années à Guangzhou. Alors, nous sommes dans le showroom. Voilà, pour ceux qui souhaitent investir dans une salle de musculation et qui ont compris qu'il fallait éviter à tout prix de travailler avec des marques type Technogym, Matrix, Life Fitness, parce que ce sont des marques voilà, très bonne qualité, rien à dire là-dessus, mais ça va venir saboter votre rentabilité. Ouvrir une salle de sport avec un poste d'investissement machine de 200, 300 000, ça va être très, très, très difficile à rentabiliser, surtout avec les leaders actuels sur le marché type Basic Fit, etc. Ok, donc si vous voulez vraiment gagner des ronds, générer des bénéfices, être rentable rapidement, vous devez importer votre équipement, vos machines de musculation. Je vous accompagne pour ce business justement, parce que vous êtes un entrepreneur dans le fitness, dans le gym, vous devez vous concentrer sur votre business et l'importation c'est un métier. L'importation, nous, on vous permet de brander vos machines, de passer commande avec un fournisseur sérieux, de vous accompagner de la commande jusqu'à la livraison, d'accord? Et ça va vous permettre déjà de gagner énormément sur le poste financier, vous allez faire une grosse économie et aussi confortable. Pour une commission allant de 8 à 10%, nous allons faire le travail à votre place. Vous, pendant ce temps-là, vous allez être concentré sur trouver des adhérents. Et voilà, si vous voulez être rentable dans le business, vous devez importer vos machines en direct de Chine. Les machines, on peut faire les machines à vos coloris, avec votre marque, votre logo. Voilà, on pose sur les machines vos marques. Hein. Alors pour ceux qui connaissent, là ici, nous avons le design Technogym. D'accord.
Alors attention, c'est le design, hein. Ce ne sont pas des copies de machines. Les machines en question ne sont pas déposées par les marques. Vous avez aussi bien derrière du Life Fitness, vous avez du Matrix, vous avez du Technogym. Mais ce sont voilà, des designs, bien entendu, qui sont libres de droit. Vous pouvez les utiliser, il n'y a aucun problème. Par contre, voilà, vous n'avez pas le droit d'utiliser les marques, bien entendu. Mais ce sont des modèles qui ne sont pas déposés.